Ouais. Bah, ce qui concerne les barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022, le match qui va opposer le Cameroun à l'Algérie, ça ne serait pas un match du tout facile. Ça serait un match très difficile, surtout concernant le Cameroun, parce que l'Algérie qui vient de sortir par la petite porte de la CAN au Cameroun. Donc, ils ont le temps de mieux se préparer, de mieux rectifier les erreurs pour pouvoir affronter le Cameroun plus tard. Donc, ça ne sera pas facile pour le Cameroun, surtout que actuellement le Cameroun est toujours dans la compétition. Donc, il y aura la fatigue, il y aura les jambes endolories et tout ça. Donc, entre-temps, l'Algérie sera mieux préparée. Ils auront rectifié les erreurs, ils auront vu tout ce qui n'allait pas. Ils auront mis tous les moyens en œuvre pour pouvoir faire mieux plus tard. C'est donc la confrontation Algérie-Cameroun a été toujours très difficile. Donc pour cette confrontation, on espère que le meilleur va gagner. Parce que l'Algérie étant sorti au premier tour de la Coupe d'Afrique, ils iront dans une grande revanche par rapport à ce match. Donc on espère que ça sera difficile et que le meilleur gagne. Algérie-Cameroun, belle affiche, hein, belle affiche parce qu'on a deux grosses nations du football du continent, il faut le dire. Belle affiche également, pourquoi ? Parce qu'on a en fait, chez les Algériens, un esprit de revanche, étant donné que l'Algérie vient de prendre une déculottée, en fait, en sortant au premier tour lors de la Coupe d'Afrique organisée par le Cameroun. Donc, elle a besoin de faire bonne impression à son peuple. Donc, du coup, elle se donnera tout pour pouvoir récupérer l'une des cinq places que l'Afrique possède à la Coupe du Monde. Mais en même temps, de l'autre côté, on a le Cameroun. Le Cameroun a tout simplement envie de faire durer le plaisir à son peuple. On a organisé la Coupe d'Afrique. Bon, on voudrait encore faire vibrer les Camerounais au Qatar. Donc, rien de plus normal que de se donner à fond pour pouvoir remporter cette place-là. Une chose est sûre, comme je le disais tantôt, hein, que ce soit le match soit joué à Yaoundé ou bien à Douala, les deux équipes joueront sur un très beau stade.